Hello, je discute avec personne ici au marché Colbisson. Hein. Je ne discute avec personne ici. Vous avez entendu, non? Je ne discute avec personne. C'est comme ça. Je ne discute rien avec personne. Donc vous sortez seulement la bouche là, vous avez peur. La bouche seulement qui sort. Vous avez peur jusqu'à. Vous avez la bouche qui sort. Dès qu'il y a un petit truc comme ça, vous criez. Mini, 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 mini. Venez me provoquer. Venez encore me provoquer. Hein. Venez me provoquer. Vous avez entendu, non? Venez encore faire. Venez encore faire. Pour aujourd'hui, là, je vous ai laissé. J'ai fait qu'un peu comme ça. J'ai fait que le mingimi. Attendez. Cherchez-moi toujours. Venez tout venir me provoquer. Venez me provoquer toujours. Ago chouyou pepe. Chouyou chouyou pepe. Ago corriger. Ago chouyou. Venez tout me provoquer. Venez tout me provoquer. Je suis là, je suis calme. Vous avez vu, non? Tu as pas aimé. Mais tu as aimé quand ils sont venus me provoquer, non? Tu as aimé qu'ils sont venus m'agresser. C'est facile. C'est trop facile. Vous pensez que la vie est facile. Vous savez comment les gens marchent. Vous êtes venu là seulement pour chercher les problèmes aux gens. Venez tout provoquer. Vous avez entendu. Venez provoquer encore. Venez faire. Venez faire. Venez faire. La prochaine fois, vous allez comprendre sur vous. Maman. Même moi-même, les. Maman. J'en ai vu un bec, c'est gris qui vient chez les bababas, vous avez. Hey! Mini. Maman, quel cousin? Je n'ai même pas un cousin qui a 46 ans. Je n'ai même pas un cousin qui a 46 ans. Elle ne peut même pas connaître mon cousin. Je ne vois même pas un cousin qui va venir parler avec ce genre de choses-là. Des histoires comme ça. Est-ce que j'ai le temps? Il a 46 ans seulement. Mini, minon. J'aime le fait. C'était trop bien, c'est ça. Mais tu as mis le nom du roi. Il a dérangé. Ça a le goût de ça. Le goût de ça. Je vous donne à mes ancêtres. La prochaine fois, tu pisses sur ça. Maman, pisser dans ma calebasse. Non, pas pisser dans mon mortier. Pas pisser. Aka, pourquoi vous aimez tout mystifier comme ça? Merci Priscilla. Il faut pas tout mystifier. Il faut pas toujours tout prendre comme ça. Mais ceux-ci-là, je les ai juste remis. Khadija Dago, salut. Je les ai juste remis entre les mains de mon ancêtre comme ça là. Je les remets là-bas. Les ancêtres du Baganté là. J'ai moi d'abord fui. Oh, ça fait peur. Tapez, vous allez voir le cercle magique. C'est le cercle magique. D'abord, bon, c'est pas le Mbrakata. Tu m'as fait peur. Ah oui, Alina Kono, tu as raison d'avoir peur. Hein, c'est normal. Parce que quand les gens cherchent des gens là, c'est pas pour toi. C'est pour les gens là qui cherchent, me cherchent la sorcellerie là. Quand tu regardes même, il a 46 ans. Maman, 46 ans. Allez chercher mon nom. Tu penses que je suis à Katé qui court pour mettre sa pièce d'identité sur Facebook. Mini Mino Kafa Gringa. Je suis à Katé qui court. Vous êtes, tu vas courir. Tu avais 46 ans là, je ne serais même pas ici, maman. J'aurais même mes 40 enfants. Oui, allô, marraine-mère. Allô? Hein? Je suis en direct. Oui, je suis en live. Tu veux qu'on cause? Allô? Allô? Allô, ma fou? Aïe? Je ne t'entends pas. Hein? Allô? J'entends pas ma fou. Maman, elles vont courir pour venir regarder. Il a faim. Il a faim. J'ai faim bien. On m'a appelé même. Maman, regardez comment le teint la dose. Regardez. Il y a le secret. Le secret. Le secret est là. Maman, maintenant là, il faut que je compose aussi les lèvres. Mais comme le lait, il a sorti là.
Voilà le secret. Regardez, il y a l'étage. Il y a même pas l'étage. Oui, allô, Mafou, je t'entendais plus. Oui, je t'entendais plus. Attends, je vais t'appeler normalement. Je vais t'appeler normalement. Affairez-moi, pardon. Maman, regarde ses mains en bas. Affairage. J'appelle Mafou normalement. Excusez-moi. Hein. 2 secondes. Oui, je t'entends maintenant très bien. Oui. N'est-ce pas? Hein? C'est maintenant que tu... Non, j'ai seulement fait ça là là là. De ma fou, et tu es furieuse. Même t'avais tu es furieuse. Non, j'ai enlevé, t'en fais pas, j'ai enlevé, c'est déjà enlevé. Non, 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 ça me fait rire. Arrêtez de tout prendre, qu'est-ce que tu crois? Non, Mafou, attends, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a même pas. Normalement, les choses comme ça, si c'est vraiment les choses, c'est qu'ils veulent. Attends, attends, bien souvenir. Mafou, dans les films, non. On va se voir ça. J'ai regardé les films, j'ai parcouru les films internet, j'ai vu. Je suis allé voir aussi, Mafou. Non, j'ai coupé. C'est supprimé. Non, c'est à supprimer depuis. C'est à supprimer depuis ma faute. C'est à supprimer depuis, hein. Mais ma faute, je les pardonne pour aujourd'hui. Je les pardonne pour aujourd'hui parce que c'est toi. La prochaine fois, il les pardonne pas. Franchement, les gens, attendez. Vous pensez que si quelqu'un va vraiment faire du mal? Non, non, on t'entend pas. On t'entend pas. On t'entend pas. Si quelqu'un va vraiment faire le mal, est-ce que quelqu'un va se tenir là pour faire? Quelqu'un va pas se tenir là pour faire. Donc, ça va être même pas. Ça va être. Le film, c'est charme. Oui, je suis là. Vous pensez que si quelqu'un veut faire vraiment en live, oui, quelqu'un veut vraiment faire, la personne va se cacher. La personne va se cacher pour faire. Donc. J'ai un appel très important, très très important. Il y a 16 minutes. Donc, tu l'as supprimé, Mini, je viens de regarder. C'est à supprimer. Il n'y a plus. Il n'y a plus, c'est supprimé. J'ai enlevé ça. J'ai enlevé. Comme ça, vous-même. On n'allait plus voir. Oh, c'est déjà supprimé. Supprimé. Pardon, attendez 2 secondes. Allô? Oui, allô? Oui, allô, tu m'entends? Oui. Non, non, ça va tranquille, ça va tranquille. Et toi? Oh, ma journée était bien. J'ai. Ah bon? Mal à la tête. Bah oui, ça. D'accord. Ok. Je t'envoie ça tout de suite. Tout de suite, je t'envoie. Non, 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 je t'appelle dans 2 secondes. Dans 2 minutes maximum. 2 minutes, je te rappelle. Parce que j'ai vu ton appel. Oui, je t'appelle dans 2 minutes. J'ai vu ton appel, j'ai dit que je te rappelais. J'ai vu ton appel, je t'ai appelé parce que j'ai trouvé. J'ai pensé, j'ai dit, bah, c'est important si tu m'appelles. Donc, voilà pourquoi je t'ai appelé. Je vous dis, j'ai supprimé. Regardez bien. Allez, regardez, supprimé. Il n'y a plus.
Il n'y a plus. C'est déjà supprimé, les filles. Il n'y a plus. C'est supprimé. Si vous... C'est supprimé. Je vous dis non, eh. I did tell for all people. That video na for supprimer. I move that video now, now. Go. Regardez si vous allez voir. Il n'y a plus. Ouais, Lali. La série charmant. J'ai dit, eh. Vous allez savoir que moi, je suis un comédien. Vous allez savoir que moi, je suis un comédien. Donc, et quand on dit comédien, je dis c'est supprimé. Tu ne peux pas regarder. Je vous dis c'est supprimé. C'est... Ouais. Oh, pourquoi vous voulez m'embêter? Voilà mon compte. Voilà mon compte. Voilà mon compte. Voilà mon compte Facebook. Regardez. Regardez. Regardez bien. Je descends. Regardez. Voilà la vidéo où je suis en direct. Regardez ce qui suit après. Ce qui suit après, c'est cette vidéo. Le comédien de talent là. Après, ce qui suit, c'est celle que j'ai fait aujourd'hui. Je vous dis, c'est supprimé. Ouais. Après, c'est la photo de ma faux. La photo là et la photo de danse. C'est tout. Après, c'est une vidéo. Voilà là où je suis en direct. Je vous dis, c'est supprimé. Vous devez savoir que ça, moi, je suis un comédien. Donc, un comédien peut faire des trucs. Mais sachez aussi que moi, bah, il y a chez toi parce que tu as partagé. Mais ça va partir. Tu ne vas pas. Si tu cliques dessus, ça va te dire. Clique dessus, tu vas voir, ça va pas lire. Ça va pas lire. Vous devez savoir que moi aussi, je suis un notable, un jumeau. Je suis un sophon. Donc quand vous sortez vos bouches sur moi, là, vous venez là, avec vos problèmes là, mettre sur moi, mettre sur ma tête, vous prononcez mon nom chaque jour là. C'est comme ça que moi aussi je parle. Tu viens là, j'ai supprimé, tu n'as pas réinitialisé. Si tu ressors de ta page, tu rentres. Les sorciers ont déjà ouvert les quatre yeux mystiques. Tu peux supprimer, mais si quelqu'un a partagé, on peut encore regarder sur un fil d'actualité mini sans les écrits. Bah oui, on peut regarder, on peut pas partager, on ne peut rien faire. Mais elle est quand même supprimée. Oui, c'est comme ça. Ça veut dire que le jour que Mini accepte ma... Ça veut dire que le jour que je vais faire le fou dans la rue, je vais marcher là dans la rue, avec... on va dire que Mini est devenu fou. Ça veut dire que le jour qu'elle veut faire la comédie là, en route, avec le truc là, on va dire que je suis fou. Parce que tout ça peut se faire. Tout ça peut se faire. Donc aujourd'hui, on va juste parler un peu. J'ai dit, moi, j'ai plus le temps à répondre à ces gens-là. Donc maintenant, le standard est ouvert. N'importe qui peut maintenant appeler pour dire ça à papa, maman. Je vous attends. Appelez. Appelez pour donner votre opinion par rapport à ça. Oui, Guy Emmanuel. Voilà, ça vient. Chacun a son tour. Un peu. Chacun appelle pour donner sa... Guy Emmanuel va parler. Ouais, je vous dis que c'est supprimé. Guy Emmanuel va nous parler. Guy Emmanuel, à toi l'antenne. Tu nous parles de ta part. Voilà, j'ai carré. Maman, je suis pas mal, hein. Maman. Guy Emmanuel, tu me dis d'abord comment je suis. Tu parles d'abord. Tu commences d'abord par parler de mon frère. Parler de mon Jansan. Pourquoi tu fais le Jansan, mon frère? Tu avais un noir et ben. Un noir. Guy Emmanuel, je ne fais pas le Jansan, hein. Je ne fais pas le Ndiansan. C'est l'été comme tu as l'été comme tu comprends là, et l'été en train de... Je ne fais pas le Ndiansan. Sérieux, je ne fais pas le Ah. Ndiansan. Tu as une belle peau quand même, mon chéri. C'est bien. Regarde, je t'ai dit, je ne fais pas le Ndiansan. Toi, regarde, quelqu'un qui fait le Ndiansan, regarde mes mains. Regarde mes mains. Regarde mes mains. Tu as bien. Ne Non, tu fais as pas une le belle peau. Ne fais pas le Ndiansan. Y a des cartes qui fait. Maman, parlant de... Tu sais, tu connais The Voice, non? Il y a un Camerounais qui est en finale à The Voice. Il va falloir que nous allons voter pour lui. Son nom, c'est Philbert. À Allons tous voter pour Philbert. des voix de samedi à TF1. C'est la finale. Pardon, La mais fois passée, les Congolais ont gagné. La fois, ce sont les Camerounais qui vont gagner ça. On quel ne des laisse voix? pas nos Congolais. Quel Hein? des voix? Voice Africa ou des voix? Des voix Afrique francophone. Mais dis que, donne-nous, pardon, donne, fais-nous bien. Tu sais quoi? Je vais faire un Les poste doigts pour de... ça. Allez voter pour le Camerounais. Il s'appelle Philbert. Un Camerounais. D'accord, on Allez va voter voter. pour lui. On n'est pas D'accord. seulement dans les clashs. On Dans a aussi la les tri. choses importantes à dire. Eux-mêmes là, ils sont venus nous dire que voter pour nous. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas nous écrire sur Facebook pour qu'on fasse des promotions. Ils ne connaissent même pas.
que moi je regarde que Non, Discord. minimum, il peut pas quand même te contacter. C'est quelqu'un de sérieux. Allez voter pour Et Fulbert. moi, je suis quelqu'un de pas sérieux. Donc, comme j'ai fait les vidéos là, je suis quelqu'un de pas sérieux. Dédique-toi avec ta bouche là et langue, tu as compris. Non, mais c'est pas que tu n'es pas sérieux, c'est que quand tu manques, tu manques ton écartement sur la toile. Il y a des gens qui prennent ça mal. Non, attends. Il n'y a pas d'écartement. Il n'y a pas que monter son écartement. Tous les comédiens, quand les films mettaient les cyclistes avec les strings là, ils dansaient avec les greffes là. Pourquoi on ne disait pas qu'on prend ça mal? Toute chose a un début. Toute chose, c'est comme ça. On peut se créer. Quand tu te crées une route, tu vas avoir plusieurs jugements. Tu vas avoir tout. Même toi, Guy Emmanuel, il y a les gens qui trouvaient au début que tu racontais n'importe quoi. Au fur et à mesure, les gens t'aiment. Les gens aiment ta façon de parler. Les gens comprennent que tu blagues, tu rigoles. C'est comme ça. Dans ce que je dis, il y a la vérité. Dans ce que je fais, il y a la sincérité, il y a la droiture, il y a une réflexion. C'est ça. Tu as Oui. raison quand même. C'est que Si t'as... les gens devront apprendre que tout le monde est différent. Tout Ah, le mais monde. attends. On ne peut pas tous réfléchir de la même manière. Tu as raison. Bon, si je ne suis pas sérieux, pourquoi est-ce que je vais donc faire cette promotion? Si je ne suis pas sérieux. C'est ça aussi, faut Non, voir. il faut faire parce que le délai c'est vendredi. Parce que la fois passée, les Camerounais ont dit que ouais, si je savais. Ouais, Ah si ben, je je savais. La savais. fois, c'est là, non. On ne veut plus de si je savais. Tout le monde doit aller voter. Ouais, Laura, j'ai dit que ressort de ton Facebook, tu rentres, tu vas voir que c'est supprimé. Tu ne peux pas voir jusqu'à la fin. Ouais, pourquoi vous me dérangez comme ça là? Gâte pour arranger. Guy Emmanuel égale gâté pour arranger. Non, je ne regarde Guy pas. Emmanuel, Moi, tu as vu la exactement, c'est vidéo que j'ai faite l'éducation. là, non? Tu as vu la J'ai vidéo vu que la j'ai vidéo, ça m'a donné la chair de poule, maman. Je me suis vu comme si j'étais encore chez un marabout il y a de cela peut-être 20 ans. J'étais chez un faite. marabout là-bas quand même. On me Allez tapait plus les yeux sur la provoquer. tête. Vous avez la On me bouche jetait pour. les. Vous avez la bouche sur Facebook pour sortir aux gens, non? Vous avez la bouche, vous sortez la bouche, vous allez la quac sur les gens. Chouyou! Provoque-moi encore, Emmanuel. Enlève ma photo de profil vite. Enlève ma photo de profil écartée. Si t'as été CAFA. Non, maman. Tu as pas vu que j'ai changé ta photo là depuis moi, ça m'a porté même la marche. Hein. J'ai mis une chauve-souris maintenant. Je me souris. Ouais. Laura, Une chauve-souris. je dis que. Ouais. Ah, Guy Emmanuel. Pardon, les quotas, allez voter, non? Ouais, mini-minor. Dis ton quota d'aller voter, maman. Moi, Guy Emmanuel, Allez voter. c'est qui pour toi? C'est ton frère? C'est pas mon frère. Allez seulement voter, je vais vous dire ça après, maman. Merci. Il y a les relations. Pas un bracata. Moi aussi, quelqu'un qui connaît tout le monde à droite là. Pas un bracata. On dit que Allez tu faisais le seulement callbox. voter. Tu faisais le En callbox plus, à c'est un Douala, non? Camerounais. Tu N'est faisais pas. Hein? le callbox à Douala, non? Maman, Mini ne peut pas donner sa vie à Facebook. Il n'est pas dans les clashs. C'est J'ai dit Steven toi, Fah. tu faisais Dis-moi le... ça. Demande-moi l'avis de Steven Fah. Il a parlé de toi dans cette durée. Je te donne sa vie. Pardon, ouais, je t'ai dit que pardon, je ne veux plus moi. J'ai dit que les choses qu'on fabrique, les gens là, ils ne veulent plus. Tu fabriques, après ça retombe sur toi, pardon. Après ça se verse sur moi, il faut voir. Il ne veut plus moi, Guy Emmanuel. Ne prononce plus le nom de... Moi, je ne veux pas moi. Il veut parler, il parle. Il ne suis pas moi là, oh, papa. Pourquoi je Chacun ne est libre fabrique de plus parler de alors? qui on veut. Du moins, il peut parler d'écarté, écarté. Parce que écarté, écarté, là, c'est jusqu'à la gare. Je ne suis pas son bonbon. Je ne suis pas son bonbon. Je suis comme des doutes. Que tu n'as pas son bonbon, hein? Je ne suis pas Ouais. son bonbon. Maman, La attends, elle fille a pris pulpeuse qui a ici. chanté, non? La fille Qui qui est s'appelle pulpeuse là. Ici à Blanche? Douala là. Blanche Bailly, non? Blanche Bali. C'est Oui. Bali ou c'est Bali? Blanche Bailly. Je ne suis Pas pas son bonbon. Ta maman ne suit pas ton bonbon. maman, la fille là, ça parle d'une gang. Ça va être transparent d'ici l'année prochaine. Maman, c'est facile. Le Njang, c'est le vrai Njang. Est-ce que c'est facile? Mets le lien pour voter. Après le direct de minuit, non, vous venez sur ma page. Je vais mettre le lien. Non. Les Camerounais vont gagner ça. On va montrer que le Cameroun, c'est la power, power. Ah, le Cameroun, On pays a de mes toujours. rêves. Monica, j'ai dit, hein, Monica. Monica, c'est pas mon Monica. nom. Il faut ignorer ce Camia. Il me donne pas les noms comme ça. Oh, maman, ton nom, là, ça douze qu'à Monica. Maman, d'autres Monica de la Chi. Monica! Ma soeur Mini Monica! Minor, arrête ça, t'es noyau. T'es Monica! noyau, Mini Minor. Tu faisais le callbox, non? Maman, j'ai appelé le corps, bon, c'est dans ma vie. Maman, je vendais l'eau glacée devant la boulangerie d'épaule. Non. À Bonaprison. Pardon, il ne faut pas me démasquer, n'ai jamais fait le corps, boss. Hey. Guy Emmanuel, je Non. connais qui est Guy Emmanuel. J'ai découvert. Non, arrête de bêtises, je n'ai jamais fait le corps, boss, à Bonaprison.
Le goût de ça. Ah, non, je rigole. Non, il n'a jamais fait le callbox. C'est pas un callbox, vraiment. En tout cas. Viens après, il faut faire le direct. Non, Je il ne fait le suis pas direct son encore. Il fait un mentor. direct, mais il m'a coupé le goût du direct. Non, papa, tu vas Beauté me laisser. Parce que si tu parles, il parle de toi. Fulbert. Maman, tu aimes la femme, si elle, avec ses fesses plates. Mokongo, ah ouais. Ou qu'on le chepto, ah ouais. Je ne suis pas comme ça, ah ouais. Melenou, ah ouais. Ou qu'on le chepto, ah ouais. Je ne suis pas ton bonbon. Je par toi comme ça. Ah, mais tu es maman. Abagadé. Elle est plus peu Je ne suis pas son bonbon. Fais comme ça, maman. fais comme ça. Bonbon. Hé, maman, le bonbon, oui. Dis, Papa, tu es un ben skinner. Melenou, ah ouais. Il faut le chepto, Un ah ben ouais. skinner. Ben skinner du Cameroun, là. Emmanuel, j'ai dit que, papa, j'ai tout voulu te demander Oui. un truc. J'ai voulu tout voulu te demander un truc, que tu nous parles de quelque chose. Oui. Tu connais? Non. Parce que si tu parles de la fille, là, ça va trop faire fort. Ah, dis-moi seulement, tu sais que le Congo, ça m'appelle tonton. Non, quand je dis que Guimana a fait le combo, je rigole, hein. Je blague, hein. C'est juste pour blaguer, hein. Je n'ai Non. jamais fait le callbox. Tu sais Guimana, que là, les ça va. abeilles, c'est. Et Guimana, c'est un gars de Oh, Aqua. maman. C'est même pas un gars de. Voilà. Je ne suis pas un gars de comme Intact ou un gars de Bipanda. Merci, Je suis Nano. un gars d'Aqua. Guimana, Manuel, Je viens conduis les. la vie avant vous, oui. Tu te souviens devant. À l'époque devant. Attends, je vais te montrer comment. Eric Atta, c'est le noyau. Oui, parle. Je vais te montrer, attends, je vais te montrer. Aqua Palace. Oui, à Aqua Palace, il y a eu quoi? Aqua Palace, il y a un autre, il y a un hôtel là-bas. Oh, on appelle ça comment là? Il y a un grand hôtel. Laisse Aqua Palace. Il y a un grand hôtel quelque part là-bas derrière. L'hôtel a chauffé un Il temps. y a l'hôtel Serena, il y a Non. l'hôtel Pas Serena Hôtel. Somatel, Somat. il y a Non. Somatel, Tu vois Aqua même, l'hôtel non? Lundé. Oui. Non, pas oui. Tu vois là où Aqua Palace s'est placé là, non? Oui. Il y avait les filles qui se mettaient avant là-bas à Aqua Palace. Certaines filles qui partaient même avant, même à l'époque. J'étais encore tout petit comme ça là. Quand on partait prendre les glaces au niveau du glacier Modène là, il y avait déjà les filles qui se mettaient là-bas, qui taquaient là-bas. Il y avait même les filles qui C'est taquaient. Villa Hôtel. Il a Villa. hôtel. Maman, maman, vous m'écoutez. Ah! Mina, maman, l'hôtel là, maman, il a pointé là. Non. Par contre, Ma bouche a parle, touché je dis la que je vais te falaise. demander Non. ça. Il y a les gens qui. Même la falaise, merci. Avec la falaise. Hôtel la falaise. Il y a les filles que tu Hôtel le connais qui Watt. se mettaient là-bas. Il y a Lolo Pipia se mettait là-bas, même de ma poum poum. Merci. 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 Et comme tu vois l'hôtel, il est là. Oui. Quand tu entres dans le quartier, il y a une maison en carabou. La première maison en carabou qui est. C'est une peinture, je parle la peinture Merci à jaune. tous. Là, c'est la maison du grand-père de Lolo Fondia. C'est en carabou. Donc, comme elle fait les bruits dans Facebook là, qu'elle a construit la maison là, qu'elle a retapé. C'est la maison de son grand-père, où c'est maintenant ses paternels. Oui. Quand elle va faire les choses comme ça, on va dire que la maison qui a quoi là-bas en carabou, c'est la maison de son grand-père. Yes, please. Elle vient pas nous. Oui, c'est même pas à quoi. C'est pas à quoi. Elle dit que c'est pas à quoi ça, ma chienne. À Ngoji. Ngoji. Il a hôtel à Ngoji, c'est mais qu'on peut passer à Ngoji. Mets la douche. Parfait Garden. Non, Non, pas tout fait ça, c'est Garden. là. Tout ça, c'est à quoi. Non, pas Ngoji fait est Garden, là c'est à à quoi. quoi? Il y a Aqua Palace, il y a même un truc, il y a même pas fait Garden, je pense que pas fait. Il y a un truc, un resto comme ça là, un petit resto avec une terrasse comme ça où on peut boire. Quand tu laisses Aqua Palace comme ça là, tu traverses la route, de l'autre côté de la route, il y a ce resto. Et quand tu regardes juste à ta gauche comme ça, il y a une route qui part tout droit. Il y a un hôtel quelque part là-bas devant les filles là se plaçaient là-bas. Et même devant Aqua Palace, les filles là se sont placées. Les filles là ont taclé la orange métallique. Les filles là ont merde, je vais citer où laisser où. Maman, Amelikata a fait ne donne construire plus les là-bas. côtés comme ça, maman. C'est bon, ça, il y a les mazos dans Facebook, ils vont partir baiser les filles là-bas, genre, à cause de nous. Je veux dire d'où les secteurs. Lolo Pipi. Elles m'ont Elle dit a quoi? merde, elle a acheté dans Facebook. Hôtel Beau Séjour.
Non, est-ce que vous êtes vous aussi joué les filles tacles là-bas? Les filles ont taclé à, on appelle comment? Aqua Palace. Devant le glacier, tu sais, elles Hôtel ont taclé. Elles ont taclé à Serena. Somatel Hôtel. Hôtel Serena Hôtel. Serena Hôtel, est-ce que maintenant ça se fait même encore? Ça se fait même plus. Maman. Au Méridien, les filles taclent au restaurant là, au Méridien. Est-ce que les filles comme Lolo pouvaient entrer au Méridien? Les filles comme Lolo n'entraient pas au Méridien. C'était les filles qui restaient sur la route là. Sur la route comme ça là. Elles restaient là sur la route comme ça là. Elles traînaient devant. Elles étaient incapables de s'acheter une bouteille de whisky. Elles traînaient comme ça. C'était les bordels de route là, comme ça là. Les petits niams, c'est les nyanganyanga là. Les petits nyanganyanga Hôtel, là. maintenant, hôtel Okmeni aussi là, qui est Bona, Aqua, c'est entre Aqua et Bonadji. Bon, l'hôtel là, maman, il y a aussi les prostituées là-bas. Ouais. Les Même à prostituées. Bonapouzo, il y a les filles qui venaient. Il y a les filles qui Hôtel venaient à Okmeni. Bonapouzo. Tu vois, quand tu es à Bonapouzo, je vais te montrer. Tu vois, quand tu quittes la rue des Palmiers, là, non. Quand tu as la Oui. rue des Palmiers, avant d'arriver, le quatrième protocole, oui, le quatrième protocole s'opère à l'époque même. Jires Précis, ça c'est vrai. Le quatrième. Oh, attends, je vais arriver. Quand tu prends la route, avant d'arriver, je vais te montrer comment. Avant d'arriver, il y a une piscine là-bas. Il y a une piscine quelque part là-bas. La Juste boussole, hein, le Colorado. à Le côté de Colorado. l'hippopotamus. Non, pas le Colorado, j'oublie les noms. Non, pas le Colorado, c'est derrière. Le Colorado, c'est derrière. C'est sur l'autre rue. La C'est boussole, non. sur la rue qui passe arrive à l'hôtel de l'Est. Ça passe juste à côté comme ça là. À côté du café là, du petit café là. Tu prends à ta droite comme ça là. Il y a directement après Obama Fashion. On laisse là-bas. Tu vois la rue des Palmiers. La rue des Palmiers, quand tu prends la rue des Palmiers, tu traverses là où il y a les sableurs là. Tu traverses l'hôtel sportif. À ta droite, à côté du bijoutier là, il y a une route là-bas. Non, non, je raconte quoi? Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Il ne faut pas que je me trompe. Oui, attends, il ne faut pas que je me trompe. Oui, exactement, c'est ça. Il y a deux rues, il y a deux entrées. Il y a deux entrées. Il n'y a pas deux entrées. Quand tu prends la route du bijoutier, exactement, tu avances jusqu'à devant, jusqu'au carrefour devant. Au carrefour là, il y a une boîte là-bas où les bobolas partent souvent là-bas. Il y a les filles qui venaient tacler là-bas. Le quatrième protocole existait. Oui, le quatrième protocole existait. Les filles taclent le quatrième protocole. Cinéma Le Concorde, c'était avant. Guy Emmanuel, tu ne connais pas tout ça, papa? Allô? Oui? Les filles là qui disent que on a fait le mangpang, on a fait le mangpang. Oui. Le grillade restaurant, non. Hôtel, il a. C'est vacant, Yabasi. Il a hôtel. Les filles là qui aiment souvent taper la bouche là. Demandez à ces filles là que, quand vous étiez les filles, que vous dites que vous avez fait le waka. Elles faisaient le waka à la, peut-être à la elf, et même à la elf même, qui devait même les accepter même. Qui devait même les accepter, même parce que c'est les endroits qu'on connaît. Si c'est pour dire que les filles, peut-être les filles de Aqua, c'était les filles qui tournaient là, Aqua, qu'on l'a arrêté la main, on a dit que viens, tu pars. Parce que s'il était une femme, on devait dire que non, peut-être la femme l'a fait le waka. Ça fait combien d'années? Je ne peux même pas dire que je connaissais le dehors. J'ai connu le dehors. C'est vrai qu'on sortait, on était le genre qu'on était peut-être la bande des amis, là, les enfants, là, avec, dans la voiture, vous êtes sur la route. C'était ce qu'on faisait. Mais ces filles-là, je peux vous dire que elles tapent seulement la bouche, pou, 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 mais rien. Pardon, appelle-le encore. Il a fui, Guy Emmanuel a fui. Vous savez que quand c'est des choses comme ça, là, Guy Emmanuel se barre très vite. Ça, c'est une insulte. Mon ami, c'est mon Facebook. Je te fais comment? Je te bloque au champ. Et après, je te dis dedans que t'es noyau. Une tot. Je te bloque. Pam. Qui vous a même... J'ai demandé qui vous a même dit que PD, c'est une insulte? Vous sortez même ça où? Les gens sont même parfois drôles. Hein? Je l'ai à bloquer. Ça ne va pas pourquoi tu... Mini, derrière le cinéma, derrière le cinéma, le Concorde, évidemment. Le cinéma, le Concorde, oui, évidemment. Il y a de l'espace là-bas où les filles partent tacler. Les filles partent vendre le piment. Les soirs, on ne dit pas. Aujourd'hui, les filles, il y a le Mimosa, il y a Olympia, à Bonanjo. Il y a tellement d'endroits. Arrêtez, les filles qui sont là toujours pour aller dans les bars, acheter une bière. Arrêtez ça, apprenez à investir. Cotisez l'argent. Allez vous offrir un verre de whisky. Habillez-vous bien. Mettez-vous en forme. Quand vous mettez comme ça, vous-même, vous sentez que non, je suis belle.
Tu ne peux pas mettre une grosse synthétique sur ta tête, ma chérie. La vie, c'est le courage. Achète au moins une naturelle. Prends la peine de te coiffer. Prends la peine de te mettre en valeur. J'ai à bloquer Bertrand, d'où c'est Bertrand, machin, quoi là. Prends la peine de te mettre en valeur, de te mettre en normalement. Coiffe-toi les cheveux. Fais-toi belle. Trace-toi le visage. Nettoie-toi. Mets un peu de fond de teint. Mets un peu de gloss. Mets un beau vêtement. Prends la peine d'investir sur toi. Mets une bonne chaussure. Ne mets pas une Baléry. Une femme avec Baléry pour aller en boîte, ça ne passe pas d'air. Achète-toi une bonne compensée. On ne dit pas compensée de que vous achetez chez Chinon. Tu te concentres, tu achètes. Même si tu as que deux chaussures. Une femme doit au moins savoir deux talons. Tu investis sur toi. C'est comme ça. Arrêtez d'aller vous tout le temps dire que le gars là ne m'aime pas. Les gars ne m'aiment pas. Ma vie ne donne pas. Je vais partir comme ça, le gars. Non. Les filles, apprenez à investir sur vous. Apprenez à vous entretenir. Les filles qui sont au pays là. Tu ne peux pas voir une fille, elle est tchac-tchac. Elle est tchac-tchac. Elle a les cheveux au vent. Elle a fait quatre nattes. Ok, je vois le chat noir. N'est-ce pas? Elle a fait les trucs tchac-tchac sur sa tête. Elle sort comme ça. Je vais chez le gars là. Eh, chérie, je n'ai pas l'argent pour me coiffer. L'homme fort, c'est comment? Je n'ai pas l'argent pour me coiffer. Laurent, moi, les salut. Je n'ai pas l'argent pour me coiffer. Je vais laisser venir des. Pourquoi tu me donnes l'argent? On te donne l'argent aujourd'hui. Ce direct de ce soir, c'est spécialement pour les mecs sales. Je finis d'abord avec ça. Les filles, écoutez, vous qui êtes au pays là, vous, la vie est tellement difficile pour vous. Je vous comprends. Mais prenez la peine. La coiffure ne coûte pas cher. 500. 500 000 francs, vous vous coiffez. Vous placez votre greffe. Et avec une greffe, tu peux la placer comme tu veux. Tu peux enlever, tu laves, tu nettoies, tu mets, tu laves, tu nettoies. Après, tu remets. Mais tu laisses ta tête comme ça, là, comme ma part assis. Si c'est les locks que tu veux faire, on peut comprendre. Mais tes cheveux, tu laisses tes cheveux comme ça, tu as fait 6 nattes. Tu vas aller séduire un gars, ma mère. Toi aussi. Tu prends un vêtement, tu mets sur toi, il y a la tache ici. Faut savoir faire la différence, mes chéris. Mets-toi au moins ce bel. Être belle ne veut pas dire que tu as porté un t-shirt. Ma chérie, il y a les choses qu'on peut mettre. Il y a les endroits qu'on peut mettre. On ne met pas la robe pour aller en visite. Tu peux t'habiller. Habillez-vous convenablement. Et on s'habille selon ses formes, les filles. On s'habille selon ses formes. Tu vois une fille, elle a mis un pantalon, elle a mis le tricot. Le tricot, c'est sa poitrine comme ça, la boucle, elle est sur la moto. Et pas, quand tu vois la fille, toi-même, tu dis que, eh, malheur. Non, mais les filles, c'est comment? Attendez. Mini, mini, l'homme fort est détracteur. L'homme fort est détracteur. L'homme fort n'est pas détracteur. L'homme fort est chez nous. Il commente là. L'homme fort n'est pas détracteur. Ma, vous parlez. Ne dis rien. Laisse-les être sales. Tu veux les wesh, non? Tu veux les wesh. Les filles, moi, je vous dis aujourd'hui, arrêtez de vous serrer vos poitrines. Mettez les vêtements selon votre convenance. Selon ce qui vous convient. Ce qui va avec votre corps. Tu ne peux pas avoir des seins vraiment raisonnables. Lave-moi ces seins-là. Utilise le beurre de karité. Mets un soutien qui va te suffire. 500 000 francs, on place la greffe. Ma chérie, je te dis, 500 000 francs, tu fais les tissages. Tu parles de quoi? Non, attendez, quels moyens font défaut? Quels moyens font défaut? Vous parlez même de quoi? Tu es une vraie fille. Laissez l'histoire que les filles, vous faites quoi dans les bars? Vous faites quoi? Tu tournes où? Salut. Mini, mini, non, sache que les moyens font défaut. Ouais, les moyens font défaut, mais attendez, les filles, soyons raisonnables. Tu ne peux pas être une fille. Tu vis à village. Hein? Hein? Tu vis à village. Tu quittes. Tu pars dans le bar, dans les bars du village. Hein? Tu comptes trouver l'homme de ta vie. Non, on peut dire Sophie du pays parce qu'elle nous regarde. Tu tournes dans les bars du village, tu comptes trouver le millionnaire. Ma chérie, lave-toi, habille-toi normalement, habille-toi convenablement. Même si c'est le chinois, on ne porte pas toujours le chinois. On ne porte pas toujours le chinois. Quand tu pars en colo, tu trouves ce qui est bon. Il y a les belles petites chemises là que les filles peuvent mettre. Tu regardes, tu connais ta taille. Tu sais que je mets du S, je mets ceci. C'est comment? Maman, j'ai dit que 1 000 francs. 1 000 francs, colo, tu te coiffes, colo, colo, fap.
La vie, c'est un sacrifice. On ne se coiffe pas chaque jour. Si tu es une fille, tu dis que je cotise 100 cents. Vous n'allez pas me dire que tu vas pas me dire que tu tout manges. Oh. Bon, ça c'est pour les hommes maintenant. Vous n'allez pas me dire que vous tout manges. Oh. Comment tu vas tout manger? Tu vas go tout manger, hein, gars. Tu vas comment t'abattre? Tu vas go. Tu vas aller à la maison dire que j'ai faim. Tiens, donne-moi 100 francs au voisin. C'est quoi le but? C'est quoi le but? Bon, aujourd'hui là. On va donc parler des hommes. Maintenant, vous allez appeler. Laissez l'histoire là. Il y a 500 là-bas au Carrefour Total. Où c'est Total, où c'est où là? Maintenant, on va parler des hommes. Les gars, vous-même. Hein? Entre nous, les gars, vous-même. Man, Joe, les potes. Il est inadmissible que vous portez un bernard pendant 3 jours. Pendant 2 jours. Gars, c'est quoi le but? Après, vous allez dire que les filles n'ont pas. Après, vous allez dire que les filles n'ont pas. Les gars, toi-même, tu es un Joe. Tu portes un bermuda comme ça, là. Un bermuda sur toi. Père, ça fait 2 jours. Tu bats à la piole, tu te laves, tu laves le bermuda, tu presses, tu mets sur toi. Tu mets sur toi. Tu vois un gars en route. Le gars a les poils comme ça. Il soulève ses aisselles comme ça là. Les poils ont rempli ici. Les poils sont pleins ici. Jusqu'à ce que c'est marron. Le bout comme ça est marron. Comme s'il avait teinté. Le bout est comme ça jaune. Mon frère, c'est la mode. C'est la mode, père. T'as aucun modèle, papy. Yeah. T'as aucun modèle. C'est quoi le projet? Et quand le gars va te dire, le gars va te dire que j'ai manga. Tu as qu'un gars, papy. Tu te vantes, mon frère. Tu te vantes. Le gars passe la transpiration sang. Man, un homme ne doit. On n'est plus à l'époque des temps anciens, des cavernes là. Où il y a les déodorants pour garçons musclés. Il y a les déodorants pour garçons musclés. Il y a les sticks. Pour nettoyer, là, vous frottez le citron comme ça, là. Prenez le citron. Vous avez fini de. J'ai dit que vous avez fini de vous laver. Vous avez rasé vos aisselles. Vous prenez le citron, vous frottez là-bas, vous laissez. Quand vous avez fini de vous habiller, vous frottez le citron, vous laissez. Quand vous partez même bosser, vous rentrez le soir, vous allez vous laver. C'est comment? Un gars passe à côté de toi, il sent. Il passe à côté de toi, la sueur. Même en beigne, les gars sentent la sueur. Les gars ont souvent de ces odeurs. Mais. C'est comment? Après, on m'a dit que, oh, tu vas demander à l'autre, oh, j'étais au foot. Enfin, l'autre, oh, j'ai quitté du boulot. Alors que tu sens. Un gars se déshabille, le bermuda est déchiré comme ça là. Vroom. Un gars se déshabille, les poils sont pleins. Vroom. Sur l'attaque, il va dire que un homme doit toujours avoir ses poils. Un homme soulève le vêtement comme ça là. Les poils sont versés. Vroom. Comme les mèches. C'est quoi? C'est quoi? En bas, ça fait l'étouffe comme ça, le pantalon est bombé. Quand le gars a ses habits, tu vas peut-être penser, la fille va dire que, hé, maman, le gars là est prêt. Elle va voir l'étouffe de poils comme ça là. Comme les cheveux, il veut faire les rastas. Tu veux faire le tissage, mon ami? Tu veux faire le tissage? Vous ne savez pas que vos poils là, ça entre, ça quitte, ça passe par le cubisme. Vous vous retrouvez avec les infections, les IST. Vous allez vous retrouver avec les infections sexuellement transmissibles. C'est la saleté. Un gars se déshabille comme ça là. Vous allez voir la terre va tomber. La terre. Le gars sent le bouc. Tu dis que, et l'odeur, les chaussettes, oh, les gars. Tu portes une chaussette pendant combien de temps? La chaussette va te sentir la maison. Le caleçon sent. Quand tu te déshabilles, tu fonces direct aux toilettes. Les gars, changez. Changez. La moindre des choses, rasez-vous les aisselles. Il n'y a rien de mauvais à faire ça. Lavez-vous les dents. Tu sors le matin, tu prends l'eau, tu fais brosse-toi les dents. Brosse-toi les dents. Brosse-toi les dents, mec. C'est quoi? Un gars te parle, tu fais comme ça là. Après, tu as que père, la gala sang. Alors que toi-même, tu sens. Non, mais attendez. Attendez. Tu pars à Paris. Quand tu pars à Paris, tu entres dans le métro. Tu dis que pardon au métro. Tu entres dans le métro, les larmes coulent. Les larmes coulent. Le gars
sans les feuilles de bâton, les feuilles de bâton de manioc là. Ça sent comme ça là, comme le pomme qu'on a pilé, on a mis au soleil. C'est quoi? Mon mari est propre. C'est pas tous les hommes. Mais chérie, vous là, vous avez souvent mari là. Apprenez à nettoyer vos gars. Apprenez à nettoyer vos gars. Apprenez à laver vos gars. Hein? Il n'y a rien de mal à qu'un gars fasse comme ça. C'est propre. Qu'un gars fasse comme ça là. C'est propre. Hein? Il se met comme ça là. Il n'y a pas d'odeur. Tu sens le bouc, mon frère. Jusqu'à tu fais la fille va dire qu'il y a le bouc derrière moi. Le gars entre la transpiration, les poils sont remplis, remplis là. Les poils sont remplis là. Fou. Le Bermuda. N'en parlons plus en été. Voilà l'été qui arrive. L'été qui arrive. Les whites sont là, Numba. Les blacks aussi, Numba. T'es qui? Oui, les gens, dis-tu la vérité. On dit que les whites ne se washent pas. Mais quand les blacks ne se washent pas, les whites, ils se washent pas, ils mettent les parfums. Les blacks encore, ils ne se washent pas, ils ne mettent même pas encore de déodorant. Le déodorant n'est pas pour orner les magasins, mes frères et sœurs. Depuis, tu dois sensibiliser les hommes, Mini. Là, si tu avais fait les femmes. Je suis en train de sensibiliser les hommes. Je suis en train de sensibiliser les hommes. Les gars, vous partez aux toilettes. Vous sortez des toilettes. Tu sors des toilettes, tu prends le papier hygiénique. Mon frère, papier hygiénique pour faire quoi? Tu n'as que nous les Joe, on a les poils. On a les poils derrière les fesses. On a les poils derrière les fesses. Tu prends le papier hygiénique, tu fais vroum, vroum. Tu penses que tu vas avoir le paquet de papier hygiénique, ça va changer quoi? Les gars. Les gars, ça ne va rien changer avec le papier hygiénique là. Ça ne va rien changer. Vous ne savez pas que vous pouvez vous allez vous épiler. Vous ne savez pas que vous allez vous épiler. Ah, ça, c'est les ciseaux. Ah, ça, c'est les crèmes épilatoires. Si tu vois que tu ne vas pas raser tes poils que tu as derrière tes fesses, quand tu vas aux toilettes, tu n'as pas besoin d'utiliser le papier hygiénique parce que ça ne sert à rien. Tu aggraves plutôt la situation. Parce que ce qui est resté sur le truc là quand ça sortait, tout ça colle encore, ça se colle encore bien. Tu penses que tu as tout essuyé. Quand tu mets le slip, ça reste sur le slip. Quand tu marches, tu fais pour, même si tu montes dans la voiture, tu es assis, ça concentre l'odeur. Quand tu te lèves, tu te déshabilles le soir, boum, ça s'évapore. Quand vous partez aux toilettes, les gars. Gassimo, au sauna. Tu te laves les mains. Oui. 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 Ah, tu sors des toilettes là. Quand tu sors des toilettes là, mon gars, tu pars te laver. Apprenez à faire vos. Pour les personnes qui travaillent. J'ai fait un big up comme ça à ma gazon, la gazonnière. Quand tu sors, tu veux sortir le matin. Les gars, quand vous voulez sortir le matin, allez aux toilettes. Chier. Je vais bien parler. J'ai dit chier, il faut faire caca. Quand vous avez fini de faire caca, vous finissez, vous essuyez avec le papier hygiénique là, vous quittez, vous partez prendre une douche. Vous partez prendre une douche. Parce que si vous me dites que je mens, montre-nous ton pays pour voir. Je suis propre. La preuve en est, regarde juste les aisselles. Je suis propre, ma chérie. Je suis propre. Je me montre souvent. Ce matin, je me suis même montré. Je me montre toujours, toujours, c'est propre. Toujours propre. Propre, ma chérie. C'est pas la poubelle. C'est propre. Je vais vous montrer l'exemple. Ma chérie, il n'y a pas de gros ventre. Hein? Il n'y a pas de gros ventre. Regarde bien. C'est là. C'est là. C'est un homme musclé. Il n'y a pas de gros ventre. Même étant couché. J'ai fait un big up à ma gazon avec ses gazons. Ça brousse, ça forêt, c'est tout comme ça là. C'est tout coloré là. C'est poivre et sel là, les touffes comme ça. On transpire beaucoup, même quand il dort. Tant c'est très mini. Ben, la transpiration, c'est quelque chose de normal. Hein. Il y a des personnes qui transpirent normalement. En fait, ils peuvent parfois utiliser, s'ils transpirent beaucoup des aisselles, ils peuvent utiliser les sticks. Il y a les sticks pour transpiration forte.
des personnes qui, si quelqu'un transpire beaucoup aux aisselles, il peut utiliser le stick. Les sticks là, qu'on frotte comme ça. Tu utilises un stick, tu mets un antitranspirant. Après avoir utilisé le stick, tu utilises un antitranspirant Martha. C'est comme ça. C'est parfois très important. C'est très important. Tu utilises un stick. Merci, ange de la paix. Tu utilises un stick, tu mets un antitranspirant. Il y a encore les déodorants pour hommes forts, pour hommes musclés. Tu mets le déodorant pour hommes musclés. Et après, avant de partir, tu peux te mettre ton petit parfum là. Tchac, tchac. On ne met pas le parfum aux aisselles, les gars. Il y a les gens que tu. Même les femmes, elles font. Fou, fou. On ne met pas le parfum aux aisselles. On ne met pas le parfum aux aisselles. Le parfum se met là, tchac, tchac, sur le vêtement. Et un peu là, tchac, et un peu là. On embraye. Vous prenez le parfum, vous mettez le parfum aux aisselles. C'est les déodorants qui se mettent aux aisselles. C'est les déodorants. Hein, les gars? Non, mais les gars, vous allez nous finir. Quand vous avez fini de chier, vous partez, vous prenez votre douche. Un mec qui va chier. Hein, tu te lèves le matin. Tu as dormi toute la nuit. Tu as transpiré. Même si c'est comment, le corps a travaillé. Le corps humain a travaillé. Ton organe a fait ceci. Quand tu te lèves le matin, pour avoir une bonne forme, prends juste ton temps. Réveille-toi. Si tu vas travailler, si tu vas aller à l'école à 7 heures ou à quelle heure, à 8 heures au travail, lève-toi à 6 heures. Ou lève-toi à 6h45. Va aux toilettes. Verse juste de l'eau sur toi. Verse juste de l'eau sur toi. Lave-toi un peu. Prends la brosse, fais comme ça. Pendant que tu es sous la douche, l'eau coule. Si tu n'as pas ça, tu fais comme ça le matin. Tu verses juste de l'eau sur toi, comme ça, tu te savonnes. Quand tu as fini de chier, tu fais ta toilette, tu vas, tu sors. Tu sors. Oui, c'est de. Ouais, c'est clair. C'est clair, WC. C'est clair. Ça va pas te tuer. Tu vas avoir moins d'odeur. Les gens qui veulent, les gens qui se lèvent le matin, ils prennent les lingettes, ils frottent comme ça là. Hey! Les gens qui transpirent de la main, la transpiration de la main, c'est normal. Ça veut dire que y a des personnes, c'est naturel. Il y a des personnes qui ont de la main mouette. Il y a des personnes pardon, qui ont des mains mouettes. Ça veut dire qu'ils transpirent de la main. C'est normal. C'est normal de transpirer. C'est comme la peau. S'il fait chaud, vous allez transpirer. S'il fait pas chaud, vous n'allez pas transpirer. Je n'arrive pas à comprendre comment, de nos jours, tu arrives, tu marches dans la rue, tu entres dans un tram, dans les transports en commun. Ah, mais ça sent. Ça sent. Tu passes à côté d'un Africain, il sent. Tu passes à côté d'un Européen, c'est encore pire. Un Africain, c'est pire encore. Mais il y a problème. Il y a problème, mes frères. Mes frères, il y a problème. Il y a problème. Vous ne pouvez pas avoir des odeurs fortes dans les transports. Mais c'est quoi? Les gars, il faut vous épiler. Ah, tu as rendez-vous. Il faut pas attendre le jour où tu as rendez-vous avec une fille ou le jour que tu as un rendez-vous, le jour que tu allais à une soirée. Ici en Beng, les gens sentent plus. Les gens sentent quoi? Les gens sentent. Oh, j'ai pas pu voir ça. Ici en Beng, les gens sentent. C'est plutôt. Ben, ici en Beng, les gens sentent. Ben, je te dis, moi j'étais à Paris. La première fois que je suis arrivé à Paris. La première fois que je suis. Non, pas la. La première fois que j'ai pris les transports en commun à Paris. Le métro, mon Dieu, ligne 14. Ligne 14, ligne 4. Purée, c'est bourré. Je dis, tu t'étouffes. Quand les gens eux-mêmes te voient dans le métro, ils disent, ah, celui-ci, l'Inca, ça c'est plus pire. Les gens disent, ah, mais celui-ci, Lali, je vous fais pas savoir, hein. Ça pue. J'ai dit, ça pue. Si vous n'arrivez pas à sentir la transpiration et tout ça, ça sent. Ça sent. Les gens sentent ici bien même. Les gens sentent ici. Les odeurs nauséabondes. Tu te poses des questions. Est-ce que c'est les chaussettes? Minuit, le plus pire, c'est lorsque les noirs sentent la nourriture parce que trop de friture à la maison. Ouais, je vais en venir. Les gens sentent l'odeur de la transpiration, l'odeur des chaussettes, le slip, le vêtement. Le mec a tapé même 2 jours sans se laver. C'est l'hiver. On fait la demi-toilette, il fait froid, l'odeur ne peut pas sortir. Eh bien, ça sort. Ça sort.
Quand tu passes, ça sort l'odeur. Mais comment ne pas s'étouffer? Tu as apporté une veste. En hiver, tu as une seule veste. L'hiver, tu as une seule veste. Mais man, tu as une veste. Tu penses quoi? Tu penses que ça va pas sentir? Ça va sentir. S'il pleut sur toi, dès que tu as. Même odeur, même odeur, même odeur, ça va étouffer les gens. Oh non, non. En Afrique, les gens vont transpirer, les gens transpirent, vont dire qu'ils ne connaissent pas les déodorants, ils ne connaissent pas ce que c'est que les sticks. Mais attendez, il y a les déodorants, il y a les sticks, il y a. Je vous ai déjà tout montré ça ici, mais les gens continuent à sentir. Les slips ne coûtent rien, les slips ne sont pas chers. Les slips ne sont pas chers en Europe. Si chaque jour, si vous avez cinq amis, les cinq amis que vous avez, man, père, comme tu es là, je viens de Kemga, c'est chaud sur moi. Comme tu es en train de go buy tes way là, gars, regarde-moi même, c'est même un boxeur. Non, mais le gars va te donner un boxeur. Le gars va te donner un boxeur, man. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Vous êtes là. Tu nous bats la nourriture. Tu nous bats la sueur. Tu nous bats la vie qui est sale. Tu nous bats les poils, la transpiration. Tu nous bats. Non mais, après c'est les gars qui vont dire Yeah, que ouais, moi je suis un beau gosse. Hein? Mais laisse les Camerounais comme ça, non? Ok. Il n'y a pas que les Camerounais, hein? Il Ils y a sont les villageois, c'est Ivoiriens, notre problème. les Ivoiriens, les Sénégalais, les Maliens, les Tchadiens. Tous les gens de l'Afrique. C'est tous les gens de l'Afrique de l'Ouest, là, maman. Quand Oh, ils sont devant toi, les il n'y a odeurs. pas que les gens de l'Afrique de l'Ouest, Les c'est ça qui est odeurs, maman. mélangé. C'est tout, on est dans le même. N'accusez pas les rebeux. Même, on est même ballot. Non, mini, non, les gens de l'Afrique de l'Ouest, Ok, là, maman, les stop. Sénégalais, leur parfum, là, maman. Les Sénégalais. Parfum de mort. Non. Mais non. Parfum de On mort. appelle ça le parfum salam Les alaikum. Maliens. Le parfum salam alaikum. Mais nos frères doivent changer, Guy Emmanuel. On Le peut parfum, salam alaikum, maman. J'ai un ami là qui avait mis ça à l'école comme ça. Le professeur l'a giflé que ce parfum de mort que tu viens mettre devant les gens comme ça, tu n'as même pas honteux. Parfum la santé, maman, à distance. Ce n'est pas déjà le parfum qu'il faut mettre à l'école, maman. Je n'ai pas Je me insulté rappelle encore bien de l'Inkasama. ça. Monsieur Ekedjoum. Je n'ai pas insulté Monsieur l'Inkasama. J'ai dit Ekedjoum m'avait qu'on laisse giflé, ce l'Inkasama salope. tranquille. J'ai dit que laissons l'Inkasama tranquille parce que N'ai pas l'Inkasama, insulté l'Inkasa. ce n'est pas l'Inkasama. J'ai dit que c'est les Black Numba. Que ce soit Ivoirien, Camerounais, Tchadien, Centrafricain, Burkinabé, tout ça, dedans. Les hommes de l'Afrique s'encore sentent trop. Minalmi. Ça vient Camerounais qui sent. Patricia Annabelle a dit que les Tchadiens sont propres. J'ai dit que tous, non, on est tous dans le même lot. Là, je parle d'Africains, je Les généralise, je Tchadiens sont globalise. propres où, maman? Les tout pourris. Pardon, ne Ils parle. sont propres où? Ils sont pas ça, ils sont pas ça. Quand ils partent au toilette, ils lavent au moins les fesses. Nous, les Camerounais savent ça. Très peu de Camerounais, là, ils partent aux toilettes, ils sortent des toilettes, là, avec le papier hygiénique. Ils sortent, là, après, ils lavent les mains. Tu as lavé les mains, là, les fesses que tu essuies, là, il y a encore les poils là-bas. Les cacas sont encore derrière. Tu t'étais, c'est sur les canapés des gens que tu vas mettre. Tu vas t'asseoir comme ça, tu vas te poser. La bouche est un Kassanumba, maman. Quand ils auront fini de boire le bilibili, ils viennent parler devant toi, maman. Tu veux mourir. C'est un peu. Les Camerounais sentent haute. Minalmi, Attends un peu. ta mère pond. Attends un peu Tu2 secondes. as vu que Camerounais sentit. Attends un peu 2 secondes, je te reprends. Il y a deux personnes qui veulent parler, je te reprends. Ok. Ok. Il y a deux personnes qui veulent parler. Karine veut parler, je comprends. Commence par Karine. Oui, donc apprenez, pardon. Apprenez à laver. En passant, Jombas de mon mari. Jombas de son mari. Sans oublier les nourritures que certaines mangent. Sérieux, ça n'arrange pas les odeurs qui sortent de l'estomac. Ah ben, je vous dis pas, hein, je vous dis pas. Et on ne pète pas par. Tu vois un gars, ton ventre est sale, toi-même tu sais que ça sent, que si tu pètes, ça va sentir, tout le monde va s'arrêter. Mon frère, le train est serré, tu pètes, boum. Le train est serré, tu fais, pff, tu es con, après tu souris, tu fais comme ça. Alors que c'est toi qui as pété. Dans un train serré, mon frère, serre ton ventre. Quand toi-même tu sais que ça n'en bat.
Mais c'est comment? Vous voulez seulement nous tuer ou quoi? Non, mais à un moment, il faut pas qu'on se trompe, hein. Faut qu'on se dise des vérités, hein. Faut qu'on se dise des vérités. Je vous dis la vérité. Faut qu'on se dise des vérités. Les wesh, là, les enfants qui sont nés ici en Europe, là. Les wesh, c'est vous qu'on appelle les wesh, les enfants, là, les femmes noires ou les femmes métissées qui couchent avec des mecs blacks qui accouchent les enfants ici. C'est vos enfants qu'on appelle wesh. Wesh, ce sont les enfants qui sont nés ici ou les enfants qui sont venus ici petits. Ils ont grandi ici, qui ne connaissent pas les endroits blacks. C'est vous qu'on appelle les wesh. On dit de vous, les noirs disent que vous deviez vous brosser les dents, que vous deviez changer votre façon, vous peigner les cheveux quand vous sortez, mettre un peu les vêtements qui sont convenables. Les wesh, vous parlez là, les odeurs sortent. Les Africains, là, on ne connaît pas ce qu'on appelle odeur. Plein. Le wesh, vous êtes. Vous n'allez pas dire que les blancs. Un gars wesh qui est né ici, qui a grandi ici, mon frère, c'est les gars blacks ou les gars, les métis ou c'est quoi? C'est vous qu'on appelle les wesh. Ouais, wesh, écoute, wesh, ouais, écoute. Mon gars, tu te bouges. Minimino, Minimino, parlons un peu de la saleté des Bamouns. Qu'est-ce qui rend les Bamouns, qu'est-ce qui fait pour que les Bamouns ne se lavent pas? Quelqu'un Bamoun. Les Bamoun ne se Les lavent Bamouns de Douala, pas. du Cameroun même peut-être. Quand ils Ils passent du CAC, moi j'ai n'ont même pas à le l'école, quand les temps. Bamouns venaient à l'école comme ça là, ils sentaient, Mini, Je les filles Bamouns. ne suis pas tribaliste. Je ne fais pas la différence. Je n'ai pas trop grandi au Cameroun. Tu comprends un peu. Oui. J'ai connu cette multitude de cultures. Tu vois un peu. J'ai connu cette Oui. multitude de cultures. Et déjà que. Moi, c'est pas tribaliste. Oui, je suis un peu métissé, ça veut dire j'ai de la famille, j'ai des parents étrangers. Mon papa est du littoral. Mon papa est du littoral et ma maman est de l'ouest. Ce qui fait que j'ai connu cela, j'ai connu ce mixage-là. Et quand on fait une vidéo, tu vois un peu, on n'indexe pas. Il ne faut pas indexer parce que quand tu indexes, ça touche précisément. Il ne faut pas se figer sur une seule, sur un seul village. Tu vois un peu. On généralise. Dans ça, chacun va sortir pour lui. On a tendance à dire que les Bamoun. Mais ce n'est pas toujours vrai. Ça peut être vrai ou pas. Les Yaoundé n'ont pas les poils aux aisselles, ce sont les Bassa qui ont les poils aux Ah, aisselles. mais ce C'est n'est pas ça, moi qui ai dit ça ça. garde la virginité. Guy Emmanuel, tu vas comprendre que. Dans la vie, à un certain stade, quand on dit certaines choses, certaines personnes se sentent directement indexées sans le vouloir. Par exemple, maintenant, si on dit que Guy Emmanuel, on sait que tu es Yaoundé, on dit que les Yaoundés, tous les Yaoundés sont les folles. Il y a des gens qui vont se sentir indexés parce que c'est les tribus, même si tu ne t'adresses pas à elles. C'est automatique. Si on dit que les C'est Bamiléens, à ça, c'est l'époque, aussi vrai. tu vois un peu, non, c'est pour ça qu'il ne faut pas généraliser, il ne faut pas indexer. Il faut C'est éviter. vrai. Et tu sais que nous sommes une team composée des étrangers, des gens de Oui, partout. on est multi-ennemis. C'est vrai, mais Voilà. excusez aux Bamoun, parce que tu sais que les Bamoun m'ont beaucoup traité, quand j'étais petit, ils m'ont beaucoup tapé, non? Ah, il t'a On tapé. avait failli percer mon œil à la vallée Bessenguet. Donc j'ai un mal. C'est la seule tribu au Cameroun que je déteste un peu, mais bon. Le reste des Camerounais, je les adore. Les Ben. gars m'ont tapé, maman, à cause de ma bouche. Voilà, l'autre est sûr. On dit Fallait que. Bessenguer, maman. Tu m'avais même fait partir là-bas le jour-là. Je ne peux pas oublier. Depuis le jour-là, je ne Tu peux pas m'as fait quoi? oublier. Ils m'ont tabassé. Tu m'as fait quoi? Comme c'est leur endroit là-bas, c'est leur coin là-bas, leur secteur. Tu m'as fait Maman, quoi? tous ces palais que. Pokéri, Pokéri. Ya, moi, je suis venu finir. Maman. Et par le Bamoun, j'étais là, je dis que oui, le Seigneur qui m'a envoyé. Et pas à quoi, je prends les gars là, maman, ils pouvaient partir, maman. Les Bamoun avaient les gros couteaux, avaient les forces là, maman. Mon cher Shunka, mon Mais cher c'est un Shunka. chonka. Mon cher Shunka, oh, un tout. Nina Brossa, je ne suis pas Yaoundé. Tu es en train d'insulter Yaoundé, ta mère pond. Ce sont les Camerounais comme toi. C'est arrivé quand Yaoundé sont, ça avait le gros ventre plein de plantain. même. Mais tu parles les Yaoundé. Les Yaoundé que tu vois là, les Yaoundé que tu vois, ce sont les filles là, ça avait Mbinda, ce sont les meilleurs Mbindailleurs. Les Bassa sont sauvages, oui. Mais les Yaoundé là, c'est les bons payeurs. Hein. C'est les bons. Tu parles comme. Les Yaoundé sont les bons payeurs, les bons payeuses. Les filles Yaoundé sont les filles de l'heure. Oui, ça veut Mbinda. C'est vrai On a que. Mbinda dans les toilettes. Non, les filles Bassa qu'on. Moi, je connais que c'est les filles Bassa qu'on faisait les partous avec à Douala. Non, 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 Les non. filles Baminiko Non. aussi.
Non, On les faisait seulement Bamileke certains aujourd'hui, partos. les... Barça, Bamileke, dans mon quartier. Dis Emmanuel, à l'époque, les filles Bamileke aujourd'hui sont devenues maman. Les Gabonais plus mal. C'est pas qui a rangé ça. Non, il faut pas dire Puis... ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai un Nina ami qui a Bozan, fait ne ça. viens pas insulter les gens ici pour rien. Avec ta Non, les face Gabonais là. ne comptent pas. Non, non, non. Tu partais faire quoi dans le On Gabon? a baisé les filles dans les cabinets. C'était l'enfance, non? C'était la jeunesse. Oh, Il maman. parle de quoi tu. En tout cas. Dis-moi, tu as tout les filles à l'école. Voilà maintenant, les Yaoundé sont les Camerounais, les Ouais, il y Bamoun avait sont une les fille là qu'on appelait Soudanais. Ngono. Il y avait une fille Oh. là qu'on appelait Ngono quand j'étais au lycée. Hey! Gono. Gono te donne. Bon, ok. Je Bon, non, non. Yvette. Non, je peux pas des autres prénoms. Dans mon école, dans ma classe, il y avait un gonon, Yvette. Non, il y a une Elle fille était là qu'on belle, appelait mais Ngono. La fille là te elle était donne. une panthère. La fille là te donne. Elle te donne ça en gros. Ah, Guémané, toi, les... Guémané, toi, tu es grave. Avait une fille dans ma... Il y avait aussi une fille dans ma classe, elle avait les courts cheveux comme ça, on l'appelait Trendem. Hé, hey, maman, je prononce même le nom des gens comme ça. Comment venir me reconnaître ici? Là, il y a une fille dans mon... Elle avait les longs cheveux comme ça, les courts cheveux comme ça. La fille là, c'était une bonne baiseuse. Elle venait à l'école comme ça, elle draguait les professeurs. On sent que la fille a même des gens. Elle a peut-être 3 enfants. Tellement elle aimait la bagarre, le Congo ça. Oh, le lycée. N'importe quoi. C'était quel J'ai fait lycée? quoi? Maman, j'ai un nom pour le lycée. Un nom pour le lycée. C'est un lycée à Douala, là. Ben oui, Nina, pour ça, c'est clair. Donc, j'étais en train de dire, On maman m'avait est renvoyé fini. en quatrième. On avait encore tué. On m'avait renvoyé parce que je faisais. On avait vu un film porno. On avait vu un film Je t'ai porno. entendu Oui. parler dans ton dialecte. Cheya Moussa. Maman, Gagomba. Gagom sa rom la. A rom la ma sa. Donc, gars, son se gomme. Gagombi pour gars pour sorna yo. Pour sor coupio. Mais t'as encore le bas mon maman, t'as pas encore gras. Je t'ai entendu. Si tu peux comprendre ce qu'il parle à Patala, tu vas bourrer de rire. Je t'ai entendu que je t'ai entendu dire qu'ils doivent se laver. Ils doivent laver leurs fesses. Ma prochaine gars pour. Comme n'entrer y'a copra pour raser les poils que vous avez aux fesses. Pour sort kobio, c'est très important. Voyez, moi là, sort kobé, sort né. Donc, je vous adore, hein. Il faut que je dorme. Demain, c'est un autre Guitia jour. fréquente le lycée d'Akwa. Quand c'est Simé, tu m'étends Non, que non. t'es. Pourquoi tu viens du lycée d'Akwa ici Non. là? Le Ne fais pas lycée. qu'on s'en passe. On va fouiller les archives au lycée d'Akwa. On voit mon nom là-bas. Moi, je connais Je une n'ai personne. jamais fréquenté le lycée d'Akwa. Tu sais que je connais y'a qui J'ai crée des fréquenté le trucs lycée dehors. Terry de Bounandoumbe. Si tu te souviens bien, si je t'éclaircis la mémoire, tu vas bien me connaître. Tu vivais là-bas de l'autre côté, là, non, pour ces bilongues. Non, même pas, même pas, même pas, même pas, même pas, même Bilongues, les quartiers pas. difficiles. Non, même pas. Je te dis même pas, même pas. J'ai fait un bon bout de temps là-bas. J'ai fait un bon bout de temps. Quand ma mère a acheté la maison, quand ma mère a acheté la maison là, on est arrivé déjà, on peut dire, on avait déjà dans les 10 ans comme ça. Ou 8, ouais, mais on n'est pas quand même né là. On avait déjà un certain âge, donc on pouvait déjà parler, on pouvait déjà bouger. Guémaus ne doit sentir Donc on a commencé à la partir à même l'école pas. là. Mais quand je suis allé au lycée, je suis parti. Hein. Quand je suis allé au lycée, avant que je n'aille au lycée, je suis parti. Je suis Tu parti. habites à Brazzaville. Non, 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 même pas. Même pas. C'était à Bilongué. Après, Il y a un quartier là aussi à... après j'ai quitté là. J'ai quitté là quand je suis parti. Je suis parti très tôt. Quand je suis allé au lycée. Avant que je suis allé au lycée, je suis revenu encore des années après. J'ai fait encore le lycée. Avant de terminer le lycée, je suis parti à l'étranger. Donc, je suis parti. Donc, j'ai fait mes études, la suite de mes études à l'extérieur. Jusqu'à ce que j'ai eu mon bac à l'extérieur. Jusqu'à ce que j'ai fait première année, deuxième année. Non, non, j'ai jamais Elle fait. vient J'habite à inciter les Bafoussam. Bamoun. Je n'ai jamais été à, j'ai jamais habité à Bafoussam, j'ai Hakim jamais dans tel habité à Douala. noyau. Jamais. On ne peut plus dire les bientôt, Jean. Donc, Tu as non. habité à Foumban. Guimane, Mais les n'insulte Bamoun. pas. N'insulte pas. Donc, Depuis qu'ils m'ont tapé là, maman, j'ai le mal. jusqu'à ce que je suis parti, même quand j'ai été au Tchad, j'étais tout petit, hein.
J'étais tout petit. Même Maman, quand. tu as fait tous les pays du monde, maman. J'ai Moi, fait c'est le le Tchad. Cameroun. J'ai fait le Tchad. J'ai J'ai fait tous les fait pays du monde l'Inzaton. dans ma tête, comme Lolo. J'ai fait J'ai la fait Guinée. Je me le Tchad. baisais là-bas pour un Coco plat de Argenté. nourriture. Coco Argenté que tu vois. Coco Argenté. À l'époque, Coco Argenté était au Tchad. Coco Argenté même a fait. Elle a même, je pense qu'elle a commencé à faire ses études. Elle a fait le lycée Félix Éboué. Coco Argenté a fait le lycée Félix Éboué. Elle a habité à Kabalaye. Elle connaît le VIP room. Maman, Elle quoi, connaît janté? Coco J'ai Argenté. envie de Allez, allez au wan courant. Elle était même. Elle connaît même Mami Yos. Elle connaît tout ça. Coco Argenté, avant, elle a fait le lycée Félix Éboué. Si je ne J'ai mens match pas. à l'école. Hein? Qui? Les Bamouns ont fait quoi? Alors, laissez les Bamouns, ce sont les Camerounais, non? Ce sont les Camerounais, laissez-les. Comment ils sont tous les C'est taximans? dans quel pays? Je vais pas parler au Bama. Emmanuel est aux États-Unis. Ils sont tous des taximans. Emmanuel est aux Non, est-ce que je États-Unis. m'amène? On est tous des taximans, non? Qui est taximan? Tu parles même de quoi, oh? Non, tu as raté. On parlait des gens là. Gens qui m'ont tabassé quand j'étais petit. Bon, Mini, bye, ton direct est gâté. Je pars. Tu veux partir, tu pars. On t'a pas appelé. N'aimez pas qu'on vous dise la vérité. On a appelé Pas. Guévalier pour déranger. Le Tchad est un mélange de noir et d'arabe. Oui. Il y a les. On les appelle comment? Le logo Nechari là. Il y a les. Ils s'appellent comment? Les Zakawa. Et tout ce qui suit avec. Je connais très bien. Je connais très bien. Le Tchad n'a pas que les noirs comme. Oui. Minimino, fais la promotion de Fulbert, non? Tu n'as même pas parlé de ça Ne sais pas depuis. qui Fulbert est. Je peux parler de la soirée. La soirée de ce samedi, la soirée de Patou Kamel. Ne ratez pas la soirée de Il Patou représente Kamel le à Paris. Cameroun. La soirée de Minimino, Patou. il représente le Cameroun. Écoute, Guy Emmanuel, écoute-moi. Ce samedi, je suis. La chaîne de télévision vont faire ça. Ils sont payés pour. Ils prennent l'argent des pubs pour. Moi, pas, je gagne quoi là-bas? C'est quelqu'un qui me met la connexion ici. Tout ce qu'ils peuvent faire là-bas, ils font les débats pour m'insulter, pour dire que la jeunesse, on pourrit la jeunesse. Alors qu'ils sont en train de manger l'argent du pays là-bas, ils ne peuvent pas financer les enfants que les enfants à N'est pas l'école. dans la politique, Mini. Hein? C'est un petit garçon qui se cherche. Papa, il se cherche. Quand il est là-bas, tu penses qu'il a fait big up à qui? Maman, Il a Mini, fait big up. il représente le Cameroun, non? Dans Papa, Devos France, dis-moi un Devos peu. Afrique Moi, francophone. j'ai tout payé ma pension. Je n'ai jamais. Les bourses, quand on dit que bourse, là, on n'a jamais de la bourse. Tu as même passé au. Okay? Pardon, laissez l'histoire là. C'est les enfants des bourses qui vont dire que bouc que Cameroun. Cameroun, Bloc non. Yannou, le Faut pas se Saoudien mentir. là. Hein. Faut Un pas se senteur, mentir. sale tout. Faut pas se mentir. Senteur, on te bloque d'abord. Faut Petit pas se pervers, mentir. espèce d'idiot avec tes caca aux fesses. Mais bim, mes langues. Caca sur l'anus. Anus de porc. Non, mais tu parles là. C'est même qui comme ça? Pardon, tu reprends aux choses comme ça là. Tu vas Bloque-le. voir les enfants comme ça que les mamans ont accouché. Laissés dans les hôpitaux. Après, ils vont venir sur Facebook et déranger les gens. Tu as d'abord vu les doigts, les machines. Donc, toi, tu penses que tu es un homme. Mini, non, ne coupe pas, ne coupe pas. Je prends mon calamango, je vous montre aussi que Non, moi-même, tu ne la j'ai bloques aussi les pas. Non, tu ne la calamangos. bloques pas. Ma chérie, donc, toi, tu Je penses que vous tu es montre un mon homme. Tu as calamango. tiré tes deux doigts. Regardez-moi ça. Guillaume, laisse-moi parler. Tu as tiré tes deux doigts. Tu as mis comme ça là. Tu as pris ton foulard. Tu as attaché sur la tête. Donc, tu penses que tu es un homme. Qui t'a trompé? C'est sur les directs des gens que vous allez venir pour délivrer la fille qui est en vous. Donc, quand tu t'es regardé la mamie, tu as vu que tu étais un homme avec ton foulard, tes deux doigts comme ça. Ou c'est Yannick Soudienne ou c'est quoi là? Tu as mis tes deux doigts comme ça là. Tu t'es regardé, tu penses que tu es un homme. Qu'est-ce que c'est? Hein? Et je finis maintenant. Je supprime. Qui t'a même dit que. Qui vous a même trompé que PD c'est une insulte? Je supprime encore ton commentaire sans te bloquer. Qui t'a même trompé? Hein? Donc quand je t'ai regardé là, tu as vu que tu étais un homme. On dit qu'il n'y a qu'un PD qui puisse reconnaître son collègue. Hein? Il n'y a que l'autre, un collègue qui puisse reconnaître son collègue. Tu as d'abord tiré ton chignon. Mon banjo, c'est how. Ça va, non, je suis là. Tu vas tuer, hein? Comment on avait tué ton père?
Regarde-moi ses cheveux avec tes doigts. Salope que tu es. J'ai à bloquer les histoires. J'ai bloqué la cochonne là. Maman, j'ai cru que c'était chez moi. C'est l'alarme. Vous savez que le soir, comme ça, là, l'alarme de sécurité se met. On met l'alarme de sécurité en marche. Non, c'est ça, c'est testé. J'ai à bloquer, c'est à bloquer depuis, je l'ai à bloquer, je ne tourne même plus. Donc, je disais tout à l'heure que les gars, là, prenez soin de vous, lavez-vous, nettoyez-vous, essayez de vous ranger un peu. Les gens sont trop sales ici dehors. Je vais inviter même qui pour. Je vais déranger qui. Je vais cliquer au hasard. Salut moi. Amga Kanon Linda Karamé. Gakeo. Sorghum. Sorghum, Sorghum. Ah, je suis vraiment fatigué. Je vais dormir. Tu as les insultes, Mini. Maman, j'ai les insultes. N'importe qui se lève. Tu vous allez voir une petite cochonne comme ça. Elle se lève là. Elle vient écrit là-bas. Pédé. Maman, mamie, tu t'es regardé. Je dis qu'il n'y a que son collègue. Une fille qui vient insulter. Regarde-moi la bordel là, non. Maman, tu connais comment que je suis bordel. Mais ça, toi-même, tu fais le même métier. Tu as un, deux, trois gars. Tu vas insulter l'autre bordel. C'est le même métier. Non, tu t'es levé là. Tu es venu te écrire carrément sur la page de quelqu'un. Nang, pangalang. On est en Chine ici, on est au Cameroun, on est au marché central, on balance ce qu'on veut, on passe comme ça, on fait pip avec le sifflet. C'est ici que tu as vu pour siffler. Regarde les pieds par terre. Tu es là, tu n'as même pas encore lavé le caca que tu as fait. C'est sur moi que tu as venu parler. Hein? Merci Kassissimi, tu pas dormir, quoi. Tu es marié pour aller dormir. Pardon, viens parler ici. Tu as les choses à nous raconter. Souvent, quand vous faites des dialogues, hey, tu n'as pas de caméra. J'aime ta photo de profil, Emmanuel. Les Bouddhas lavez vous. Laisse les Bouddhas tranquilles. Maman Guy, ta photo de profil est nyangé. La bosse comme ça, la poupe. Il ne répond plus aux détracteurs. Vous allez parler, vous allez vous répondre vous-même. Seulement ça. Je suis même votre grand-père. Vous dites seulement ça. Allez même dire que je suis même une femme. J'ai les seins. J'ai même la chatte. Oh le problème. Vous allez parler, vous allez faire. Je sais qu'il est l'heure. Écoutez comment les gens sont bêtes. Les gens parlent, non? Ils parlent ton nom. Ils t'insultent, ils t'insultent, ils t'insultent. Qu'ils ont fini de t'insulter. Après, ils disent qu'il y a la banque, il y a Litchi. Il y a Litchi. Je vais parler de mon association. Les moutons créent l'association. D'abord, quand vous regarde, vous avez d'abord l'esprit tordu. Vous avez l'esprit tordu. Vous avez l'esprit malsain. Tout ce que vous pouvez faire, ce n'est que la méchanceté. Dites-moi, quelqu'un qui va créer une association va se placer devant la porte de quelqu'un comme ça pour raconter quoi? Quelqu'un qui va créer une association donne une page pour qu'on insulte les gens. C'est l'association. Les filles comme ça là. C'est aujourd'hui vous avez créé l'association. Vous allez créer l'association pour aller aider vos gars au Maroc. Quand vos gars sont au Maroc, vous allez aider vos mar parce que vous suivez les bits. C'est là où vous allez faire l'association. Hein? C'est là où vous allez faire l'association. Vous allez venir insulter les gens. Vous allez donner vos pages. Nyanga, 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 pourquoi insulter les gens? Qui ne dit rien? Consent. Si tu donnes ta page, pourquoi insulter quelqu'un? Ça veut dire que toi-même, tu es d'accord pour insulter la personne. Eh oui. Parce que si tu ne veux pas insulter quelqu'un, tu parles de ton mur. Pourquoi on insulte la personne? Personne ne peut venir sur mon mur. Si je dis, par exemple, je donne mon mur à Nivakin. Que Nivakin vient écrire quelque chose. Nivakin vient faire la vidéo pour insulter. Ça veut dire que je suis d'accord. Je vois bien qu'il est en train d'insulter. Ça veut dire que moi-même, je d'accordise avec lui. Mais vous n'allez pas me dire que je ne suis pas d'accord, je ne connais pas. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Qu'est-ce que vous racontez? Après, vous allez venir dire que ah, je vais parler de mon association. L'autre va venir là-bas dire que j'ai fait litchi, la famine. La famine, vous avez faim. Vous avez faim. Vous êtes là en Europe là, depuis des années, depuis 30 ans. Vos parents sont venus et on vous a donné cadeau. La honte même de ça devait même vous réveiller. Vous devez laisser les gens, vous ne devez même pas parler là où les gens parlent. La honte de ça, vous êtes là, vous courez là comme ça, la pied plat. Vous avez toujours faim. Vos vies n'ont pas donné. Mais vous êtes là, vous ne comprenez rien. Les gens ancrés dans leur jeu, dans leur système. Vous êtes là. C'est là où vous voulez venir. Vous connaissez comment on marche. Vous connaissez d'où on vient. Vous savez ce qu'on est venu faire ici. Non.
Mais vous êtes là. Vous êtes là, c'est vous qui êtes là. Au lieu de vous concentrer sur vos petits piments tranquilles qui ne donnent même pas. Vous prenez litchi. Savez litchi que vous partez acheter les ailes de poulet. Savez litchi que vous partez boire le champagne. Savez litchi que vous partez donner aux hommes, créer des associations pour aller au Maroc, aider vos gars. Vous prenez les gens pour des idiots ou quoi? Ceux qui veulent être bêtes sont bêtes, hein? Ceux qui veulent vous suivre bêtement dans l'ignorance juste parce qu'ils veulent apprendre quelque chose de la vie. Nos vies, on dit souvent que quand tu te permets de te mettre en direct, ta vie est exposée. Tout le monde veut te connaître, tout le monde veut te découvrir. Vous voulez faire une concurrence. N'est-ce pas, Lina Caramel? Vous voulez faire une concurrence. Quand on veut même faire une guerre, même, quand on veut même faire un clash, ce n'est pas comme ça. Le clash n'est pas quelque chose. Le clash n'est pas la sorcellerie. Pour vous, ce que vous êtes en train de faire là, c'est la sorcellerie. C'est parce que vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez rien compris à la vie. Vous ne savez pas ce que c'est que le clash. Vous voulez montrer que c'est ça. Mais moi, on ne coupe pas. J'ai dit que je ne tape pas quelqu'un. Moi, je ne touche. Moi, je peux plus lever ma main sur quelqu'un. On est en Europe. On est en Europe. Mais celui qui fait comme ça, là, boum, je te corrige d'abord. Si quelqu'un lève la main sur moi, il ne donne plus l'occasion. Hein. Même si tu fais seulement l'erreur, je te corrige d'abord. Je te corrige d'abord. Mes cornes poussent. Et je n'ai rien à supplier avec quelqu'un. Dernièrement, j'ai vu Chauve-souris, non? J'ai croisé Chauve-souris. Comme l'autre est venu dire là que Chauve-souris, j'ai vu Chauve-souris. Moi, il peut négocier quelque chose avec quelqu'un comme ça. Eh bien, vous vous trompez. Il dit que Chauve-souris va à l'Ongata. Chauve-souris va à l'eau. Il dit que je ne touche personne. Personne. Vous allez faire vos litchis pour chercher la nourriture, pour chercher de quoi manger, pour chercher les affamés. Tous ces gens affamés. Je ne réponds plus à personne. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Même si vous avez fait les vidéos de quoi, je ne prononcerai plus. Si vous êtes oublié, votre deuil est fini. C'est fini. Plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. On parlera plus de vous. Vous-même, vous allez comprendre que la défabrication était totale. Vous allez partir aux oubliettes. Je préfère encore parler d'une autre personne. Je préfère encore parler d'une autre personne. C'est comme ça. Pour vous, c'est fini. Fini. Vous allez, même si vous vous déshabillez, je ne parle plus de vous. Et faites des vidéos, identifiez-moi-même. Il n'y a plus rien à faire. Je ne parlerai plus de vous. C'est comme ça. Jusqu'à ce que Facebook s'y se ferme. Et juste un détail. Toutes les personnes de la team qui ont des choses confidentielles sur Facebook, famille. Dès aujourd'hui, toutes les personnes qui me suivent, vous avez vos photos de vos enfants sur Facebook. Vous avez votre vie, votre adresse. Supprimez cela. Parce que Facebook, regardez même les infos. C'est Facebook, il y a un piratage de données. Tout ce qu'on met sur Facebook, c'est pour le piratage de données. Supprimez tout ce que vous avez d'important sur vous. Allez regarder France 2. Zuckerberg est passé devant le Sénat. On appelle ça comment là? Il était interrogé par le sénateur. Après, il est passé devant les députés. Il y a eu un piratage de données. La vie privée de tout un chacun sur Facebook est piratée. Regardez mon Facebook. Mon Facebook n'a rien de familial, n'a rien d'enfant. Supprimez toutes vos données personnelles. Enlevez la photo de vos enfants. Enlevez votre adresse, vos choses privées. Enlevez cela. Ne mettez pas couvert. Supprimez. Laissez votre photo, rien de significatif. C'est important. Salut! Coucou, ne gâte pas ton direct en parlant de ces personnes-là, s'il te plaît. C'est Oh, pas non, non, important. je parle plus de, c'est fini. C'est fini. Le direct était très très bon, ta face, t'as eu un très très bon sujet. Tu as parlé des vraies choses, quoi. Donc ne Oui. gâte pas le direct en parlant de ces personnes-là, sont pas Tiens, importantes. Lali. C'est comment? Sont pas importantes. On est là. J'ai aimé ton direct. Ouais, maman, j'ai aimé le direct. Je comprends les hommes comme ça. Hein? Lavez-vous. Ah, je te dis. Franchement, ton direct, il était bien. Il était très, très bien. Franchement, tu as bien Merci. parlé. Tu as donné des bons conseils. Et j'espère que les gens vont écouter. Surtout qu'ici, en Bang, les gens ne sont pas très, très, très accrus au niveau de la propreté. J'espère que les gens vont écouter. Ah, mais Non, ils vont pas écouter, à Lali. Ils vont pas écouter. Du c'était tout. très, très. Très très direct, mais c'est vrai que je trouve, une remarque, je trouve que les filles du pays sont, à mon humble avis, sont beaucoup plus propres que les filles qui sont nées ici. Ça, c'est Ah mon mais, avis. mille fois, Lali. Je trouve Mille fois. qu'elles sont beaucoup plus propres que nous.
Ça, c'est Non vrai. mais, Donc, ça, vraiment, je ne peux les pas dire que non. Elles sont filles. vraiment plus propres. Eh oui. Les filles qui sont nées ici, qui ont grandi ici, va les voir. Tu vois les bottes de l'hiver là, les trucs comme souvent restent dans les maisons avec là, non? Les pantoufles là. Lesquelles? Les filles ont souvent, les filles qui sont nées ici, elles ont souvent ça. Elles mettent les jeans, ou c'est les jeans ou c'est les joggings. Elles prennent, elles Avec mettent un. ah, ah non mais ça sont habillés comme ça quand on avait 16 ans. Non, non, moi je mets pas comme Elles ça. mettent un t-shirt, elles mettent un jogging, elles mettent dessus comme ça là. Elles sont dans la rue, elles ont pris les cheveux là, les rastas, qui ont fait 4 mois sur la tête. Ça a sauté les grains. Elles ont tiré comme ça, elles ont mis devant. Elles ont pris le sac qu'on fait les courses avec, elles ont arrêté. Va les voir dans le tram, elles font comme ça. Comme les pintades. Mais les filles, c'est pour aller où? Quand les gars noirs qui viennent du pays là, ils vont pas les draguer, ils vont dire que oh, les gars noirs sont africains, ils sont racistes. Ils vont chercher que les filles blanches. Mais les filles, nous là, en Afrique, nos filles là ne s'habillent pas comme ça. Mettez au moins ce qui vous convient. Elles vont dire, non, moi je ne mets pas de mini-jupe, je ne vais pas m'afficher. Tu ne mets pas de mini-jupe, mais tu prends, on appelle ça comment? Le blanc, tu mets sur toi. Elles sont habillées bizarre, bizarre. Tu vois, les cheveux sont un jas. Elle a les cheveux comme ça. Elle dit, oh, j'aime les cheveux naturels, ma chérie. Les cheveux là, c'est traite. Ils appellent des niafous. Ouais, voilà. Elle a les cheveux comme ma niafous. passe, comme ça. Elle a tiré comme ça, elle a attaché. Tu vois encore les graines de matelas dedans, les graines de tout du canapé. Mais maman, même si tu es née ici, même si tu as le passeport Bordeaux que tu peux nous jouer les carreaux, ma chérie, essaie un peu de te laver. Tu sors le matin, on te voit toi-même, on dit que hé, la fille sort où? Le pantalon. Elle dit C'est oui, sale même comme si tu as ça. l'argent, Franchement, maman. mais non. Je te dis la vérité, c'est pas tout le monde qui est sale comme ça, mais c'est vrai que la plupart des filles qui sont nées au pays sont beaucoup plus propres. Elles viennent avec déjà la propreté. Elles ont déjà le sens de la propreté. Ça c'est clair. Mais les filles du pays, laisse-moi te dire, allô, les filles du pays. Les filles du pays sont comment? Tu vois les cheveux, non, Lali? Elles ont les cheveux comme ça, elles font les nattes. Tu vois les nattes là, non? Elles font six nattes. Elles font six nattes. Tu vois la tête. La tête n'a pas de forme. Elles prennent le noir, elles tracent ici comme ça là. Elle trace ici, elle met le rouge à lèvres, elle a mis une boucle, elle prend un t-shirt, ça serre ses seins comme ça là. Le soutien aplatit la poitrine. Elle met un pantalon jean, elle prend une ballerine qui est tordue, un jas. Elle arrête un gros porte-monnaie comme ça, elle descend la moto. Elle met les lunettes de soleil. Ta maison est où? Quand elle descend la moto, tout le monde te regarde comme ça. Elle descend la moto, elle dit que c'est comment non? Tu habites où? Tu habites ici, ta maison est où? Hey, maman! Maman, les filles, un peu de finesse. Même si tu vis à village, même si tu vis à commando, même si tu vis où, un peu de bonne manière. Habillez-vous convenablement. Mets un soutien. Le soutien ne va pas venir rester ici. La corde de soutien ne reste pas au dos. Hein. Elles ont ce qu'on appelle le sac au dos. Tu connais ça, non? Non, c'est quoi? Le sac au dos, c'est une forme de soutien. Quand tu portes, ça vient rester ici. C'est presque ici, Lali. Le soutien est. Donc, tu vois comment mon t-shirt est là, non? Ah. L'élastique est presque ici. Tu comme ça, Oui. l'élastique est ici. Oui, On appelle oui. ça le sac au dos. Les filles mettent ça. Ah. Nous, on appelle ça soutien équateur. C'est parti. Ah. Non, on appelle ça sac au dos. Les filles mettent ça. Mais c'est grave, Lali. Mais c'est grave. Ouais. C'est terrible. Mais c'est vrai qu'aussi que non, la propreté aussi, c'est pas tout le monde qui l'a. Pour ça, on dit qu'il faut pas, il faut pas catégoriser ethnie par ethnie, parce que si on regarde tout le monde, la plupart, que tu sois noir, blanc, arabe, les gens sont. Si tu es sale, tu es sale. Si c'est inné, c'est inné. Tu es né sale, tu resteras sale. Ah oui, ça c'est clair. Si tu es sale. Oui, les filles du pays sont plus. Moi, je te dis vraiment, je confirme, les filles du pays sont généralement plus propres. Déjà, même au niveau de préparer. Enfin, après, ça dépend de tout un chacun, parce qu'il y a des filles du pays qui sont nées ici aussi qui sont super propres. Par contre, c'est vrai qu'il faut dire vraiment la vérité. Les gars qui. Moi, personnellement, si vous dites que. Excusez-moi, hein, j'ai vraiment pas envie de vous blesser quand je dis ça, parce que vous nous insultez de wesh. Mais il faut savoir que nous, on vous appelle les blédards pour commencer. Les Et quoi? il y a des blédards qui sont sales. Désolée, mais il y a des blédards qui sont très sales. Moi, j'aime Les blédard. Une blédards, fois, hein? j'ai un blédard dégueulasse. Franchement, c'était. Là, on dit que c'était dégueulasse, mais où dégueulasse. Les wesh, les wesh. Les wesh aussi sont très sales. Hein. Il y a les wesh qui sont très, très sales aussi. Hein. Il y a des wesh qui sont sales. Il y a passé. Les wesh sont très sales, ils ne se brossent pas les dents. C'est-à-dire que c'est tout le monde. Mais
Moi, La liste n'est pas une wesh, la Belinda, liste c'est une blanche. il sentait tellement mauvais que. Oh mon Dieu! Il sentait les aisselles. Oh là là, mais Seigneur, mais c'était quoi ça? Maman? Lali, tu regardes, tu vois, non? T'es chez un Oui, blizzard, là, regarde. voilà, c'est le minimum, t'es propre, c'est ça qu'on demande, c'est pas compliqué, c'est ça en fait. Je C'est pas suis un compliqué. blizzard. Les blizzards sont sales. Je suis un blizzard partout. Les gars du bled, ils disent que les filles qui sont nées ici en Beng sont sales, elles nous battent d'une tote et tout et tout et tout. Il y en a. Il y en a, ça c'est vrai, ils disent la vérité. Mais aussi, il faut savoir aussi qu'il y a des blédards qui sentent mauvais. Ah Ben oui, je suis d'accord, Isa. Je suis d'accord Ah avec oui. toi. Et il y a aussi des mecs. Donc tu lui offres un. Je ne vais pas l'offrir un déo. Moi qui? Moi je veux l'offrir un déo. Pourquoi? Il est censé être propre. Il est censé être propre. Intambinda, quand même. Savez le choix. J'aime Binda. Santé mauvais. Franchement, moi je dis santé mauvais. Et c'était le premier mec de Bled que j'avais Mbinda dans ma vie. Mais franchement, j'ai pas aimé. Et par contre, exemple, j'ai Mbinda, enfin, des mecs qui sont nés ici, j'en ai Mbinda, et il y en a qui sont propres. Il y en a qui sont vraiment très propres. Et il y en a aussi que je connais qui sont très sales. Surtout les wesh qui traînent à Gare du Nord et à la Défense, ils sont sales. Ils sont très sales. Mais sales, donc sales. Donc ça dépend d'un chacun, en fait. Baba, quand tu vas passer là-bas, tous les wesh de la gare du Nord ont dit que vous êtes sales. Donc, pardon, les gars, lavez-vous. Donc, c'est pour dire que ça dépend d'un chacun, en fait. Les gens nous battent, les gens nous battent. Moi, personnellement, j'ai déjà Mbinda avec un Sénégalais. Ils ne sentaient pas le tchoulaï, alors leur truc, le tchouraï, ils sentaient pas ça. Hein. Ça dépend d'un chacun, en fait. L'autre dit que tu m'aides avec un gars qui sent. Au début, est-ce qu'elle savait qu'il sentait? Quand le gars Oui, je baisse savais le bébé. que ma chérie. Mais quand tu te déshabilles, tu te déshabilles la personne, tu sens. Mais Voilà. après, tu sens qu'il y a une odeur. Et il faisait pas Oui. le genre sans Kimia. C'était un mec noir, très noir, on dirait. Hein. Comme vous dites que les tout pourris, il était noir comme un mec du foyer. Il Voilà. était Et noir. le tout, c'est qu'il avait le bon plantel. Lali ne pouvait pas laisser partir ça. Il sentait mauvais. Il sentait Mais. mauvais. Et qu'est-ce qui t'a fait caler, Lali? C'était le plantain. Non, non. Non, non, moi franchement, je suis honnête. Hein. Moi, quand franchement, c'est son odeur-là, ça m'a fait fuir. Bah, que je suis libéré. Odeur, ça m'a fait fuir, tu vois. Pourtant, c'est quoi ta limite? Ma limite dans quoi? Bida. Ma limite dans la vie, là? Avec les odeurs. Ben, j'ai pas supporté, tu vois. En plus, quand je suis descendue en bas, je lui ai pas fait une fellation parce que parce qu'il avait il avait des poils façon. Enfin, franchement, j'avais regretté sur le coup. À un moment donné, il m'a dit, t'es bizarre et tout. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Il a senti que j'étais mal à l'aise. Ben, c'était normal. C'était normal. Mais pour la... Oui, même avec le préservatif, ça ne devait pas donner d'air. Non, déjà moi. Sûr que Lali avait pété. Non, 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 non. Non, mais faut arrêter. Non, quand même pas. Non, arrêtez. Ne pète Non, non, mais je suis un être humain, mais je vais pas aller péter devant un gars. Je suis désolée, mais c'est pas, j'ai eu un blocage. C'est que ça pas. m'avait bloqué. Et l'odeur, c'était quelque chose. Pour moi, c'est l'odeur, c'est quelque chose. Moi, je prends la peine de me mettre bien. Et toi, tu ne fais pas l'effort de te mettre bien. Et ça m'énerve, ça. Ça, c'est des trucs, ça Tu vois, m'énerve. Par contre, dire qu'il a des gars. on appelle ça la mbinda odeur, le tic. Une Ouais, mais ça veut mbinda rien. Eh ben, ça veut rien dire. Ben, c'est comme si moi, je suis restée calée. Ben, je suis restée calée, entre guillemets, avec un gars qui. Ben, il est né ici. Il me bindait tellement bien. Et son bonka était tellement bon. Maman, je suis restée Voilà. calée jusqu'à. Il a Boza, il est parti se marier là-bas dans son pays. Quand il est revenu, on a continué à Mbinda jusqu'à. Donc ça veut dire que. Ah, comme. Non, j'ai pas sucé. Hein. Non, non, non. À qui j'ai pas sucé? Parce que non, il y avait les poils là, on dirait la forêt amazonienne. Non, 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 non. La forêt centrale. Non, 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 j'ai pas sucé. Hein. J'ai directement mis le bol, le préso. Et après, voilà, tu vois, mais j'étais très, très Yeah. mal à l'aise.
Mais c'est bien, la meilleure façon, hein, quand c'est comme ça, tu dis bébé, on prend un bain, c'est mieux. Ah, il y a les odeurs qui excitent. Moi, les odeurs ne m'excitent pas du tout. Non, non, non. Il faut pas arrêter. Il faut arrêter, hein. Non, non. Non, non. Ça veut. Non, j'ai pas sucé ces noyaux sales. Vous comprenez pas? Je n'ai pas sucé. Oh, vous aussi quand même. J'avais peur d'avoir l'herpès de la bouche. J'ai pas sucé. Non. Pardon de traumatiser par la lit. Les Watts aiment les odeurs. Qui vous a dit que les Watts aiment les odeurs? Allez vous laver. Laissez que les Watts aiment les odeurs. C'est tout comme ça que vous vous trompez les gens. Vous ne vous lavez pas pour dire que les Watts aiment les odeurs. Les Watts n'aiment pas les odeurs. Quand ça sent, Donc, ça l'hygiène, sent. c'est très, très important parce que même pour un premier encart ou pour même pas, même quand vous connaissez ça, vous apprenez. Après, quand vous arrivez dans l'intimité qu'il n'est pas propre, ça peut faire fuir la femme, en fait. Je trouve. Non, j'ai dit mon bébé. La lit, mon banca, elle lit, c'est propre. Et tu peux faire Mon combien de banca. coups par soir? Ah non, moi, je suis pas une assoiffe de Binda. Moi, franchement, du moment que même si le premier coup, ça se passe, mais le coup se passe bien. Bon, on peut refaire un autre. Bon. Trois. Maman, donc tu es une tigresse comme ça. Moi, j'ai pas besoin de. Moi, je n'aime pas, même pas. Moi, ça vaut bien. Tu es prête, hein? Les Moi, je odeurs du connais pas. 11 juillet. Moi, je connais pas les premiers coups, hein. Moi, c'est un seul. C'est jusqu'à la gare. Je lance jusqu'à ce que le train part. Moi, c'est comme Il toi. peut arriver que tu as un seul coup, faites un seul coup, mais le coup il est fatal, mais fatalement fatal. Mais je Fatal, te dis, fatal, mais tu la meilleure façon quand tu arrives putain, avec un gars black, hein. mais c'est bon. Tu arrives avec un gars black, tu sens que ça va un peu dangereux, Numbala. Tu dis que bébé, ça te Qui aime dit le un blanc? cuni là? On me posait des questions. Mais qui n'aime pas le cuni? Franchement, de vous à moi, qui n'aime pas le cuni? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde aime le cuni. Mais Mais sachez que là. t'arrives avec toi en fait, par rapport au coup. C'est moi, ça peut être un coup qui est le coup fatal et puis c'est bon. Baba, ah, je l'appelle, dit que je te dis carrément que tu s'en vas te laver. Non, non, mon premier coup ne dure jamais 5 minutes. Mon premier coup, c'est jusqu'à la gare. Mon premier coup, Moi, plus j'aime jamais, coller plus le jamais. string au visage pour Mais Vous avez des délires. il 10 coups par nuit, pardon. Ah, ça, oh, là où je Mais suis, là où après, tu as. ça va comprendre parce que moi, j'aime pas les gens qui font, excusez-moi. Non, j'ai pas envie de dire n'importe quoi parce que c'est ton direct qu'on va venir te signaler. Moi, j'aime pas les cunis bizarres. Le gars, il te Qu'est-ce que mord tu dis? le. Pardon. Il te mord le clito là. Pardon. On dit que tu es une bonne élève de PDG. Ah. Non, mais Lali, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré ton intervention. Lali, tu aimes l'appellation. Ça dépend. Oui, ça dépend. Oui. Mais pas les gorges profondes, Mini, pardon. Moi, le premier coup, dessus, ça dure. Ouais, mon premier coup dure, hein. Jusqu'à. En tout cas, bonne nuit à vous, mon téléphone va s'éteindre. Lali. Mini, ça a été un Oui. plaisir. Et Moi bonne aussi, soirée à la c'est un fin. plaisir. Merci. Ok. Yeah. Bonne soirée. Bisous, bisous, la team. Partagez, hein. Partagez sans limite.